World of Warcraft peut être un jeu un peu compliqué parfois. On meurt, on se relève, on y retourne, on remeurt, et on y retourne, et on remeurt, et on sait pas pourquoi. Mais il est temps de briser cette boucle, de comprendre ce qu'il se passe, ce qu'on doit faire, et surtout comment arrêter et devenir meilleur. Et salut à tous, c'est Devorta. Aujourd'hui, une vidéo suite à la vidéo sur comment commencer WoW et pourquoi commencer maintenant, avec une vidéo sur comment devenir meilleur à World of Warcraft, comment vous améliorer. À la base, cette vidéo devait être une vidéo unique avec une seule grosse vidéo avec tout, mais après avoir juste traité l'enjeu et les paramètres, j'ai déjà 7 pages de script. Du coup, on va faire une première vidéo sur les paramètres et l'environnement, comment avoir un environnement positif pour pouvoir mieux jouer. Et la deuxième vidéo, vraiment sur le gameplay. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite. J'ai lancé ma chaîne VOD sur laquelle je mets des VOD de live. Le modèle sera pas tant des VOD de 3 heures avec tout le live en entier, mais je vous prends vraiment les moments les plus importants. Par exemple, des moments où je review les kills mythiques. Peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur là-bas. Donc n'hésitez pas à faire un tour et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir et ça m'aiderait pas mal. Bref, sur ce, on va pouvoir commencer et parler de comment devenir meilleur à WoW. Et avant même de commencer à lancer le jeu, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire ou réfléchir avant même de jouer pour devenir meilleur. Faut pas oublier qu'on est tous, même les joueurs pros, en apprentissage. WoW, c'est un jeu qui est tellement, tellement complexe, vous avez toujours un truc à apprendre. Et si vous restez dans ce mindset-là, normalement, vous devriez déjà naturellement faire attention, douter de vos performances, essayer de faire en sorte de remettre en question les choses qui ne vont pas. Alors, forcément, on a tous de l'ego. Et si vous m'avez vu en stream, vous avez vu que j'ai le Lego. Et on va très souvent commencer à chercher des excuses ailleurs que dans nous-mêmes sur pourquoi on meurt, pourquoi ça passe pas, pourquoi on fail. Mais très souvent, la raison pour laquelle on fail, c'est parce qu'on tape pas assez fort et donc on a une rotation qu'on pourrait faire un peu mieux, parce qu'on n'a pas utilisé tous ses dés défensifs, parce que quand on meurt, c'est pas forcément toujours la faute du heal. Hein. Quand vous mourrez, souvent, il vous reste des dés défensifs, des bonbons démonistes, des potions, tout ce genre de choses. Ou si jamais un boss a l'impression de one-shot tout le temps le tank, peut-être qu'en fait, vous connaissez mal la strat et vous l'avez mal appliquée. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles vous pouvez fail qui sont différentes de « c'est la faute des autres ». Et remettre tout le temps la faute sur les autres, c'est votre plus gros frein dans votre progression et dans le fait de devenir meilleur. Remettez en question ce que vous faites et ne faites pas la remise en question en disant juste « oh, je suis trop nul, j'y arriverai jamais ». Ça, ça ne sert à rien, c'est aussi peu productif que de renvoyer la faute tout le temps sur les autres. Et pour finir cette partie mindset, fixez-vous des objectifs qui ne sont pas impossibles à atteindre, qui soit assez difficile à atteindre pour être motivant et pour quand vous réussissez à y aller, vous êtes heureux, mais par contre, pas trop dur pour ne pas avoir l'impression qu'ils sont inatteignables. Faites des étapes. Exemple, vous êtes quelqu'un qui veut faire du donjon mythique et devenir meilleur en donjon mythique, eh bien très bien, c'est une bonne idée. Maintenant, on se fixe des niveaux de clés, des taux de DPS, ce genre de choses. Ok, on va commencer par clear tous les donjons en plus 4. Une fois qu'on a réussi, on clear tout en plus 5, plus 6, plus 7. Une fois qu'on a réussi, on clear tout en 8, 9. Une fois qu'on a réussi 10, 11, et une fois qu'on a réussi 12. Vraiment en plaçant étape par étape, et en essayant d'évaluer introspectivement quel résultat final vous conviendrait le mieux. Dans cette même vibe, un petit point rapide sur quelle classe jouer pour devenir meilleur, et bien tout simplement, la classe et l'aspect que vous préférez. Vraiment, jouez ce que vous trouvez fun, vous serez bien bien plus performant, et bien bien plus motivé si vous vous amusez quand vous jouez. Ok, maintenant on va essayer de créer en jeu un environnement qui est propice à la performance. Pour ça, on va commencer par se poser la question des FPS, du framerate, des images par seconde. WoW, c'est un jeu où il se passe énormément de choses à la seconde, et il faut être capable de réagir rapidement. C'est-à-dire, 1. De voir les choses qui comptent vraiment, 2. Les choses vraiment, de bien bien les voir, et troisièmement, que le taux de rafraîchissement vous envoie l'information assez rapidement pour que vous puissiez esquiver ou réagir à la compétence. Alors, sachez que tout ce que je vais vous proposer ici va dégrader la qualité visuelle du jeu sur certains points. Parce que très souvent, vous le voyez sur les FPS par exemple, une meilleure qualité graphique veut dire moins de FPS, et donc moins de réactivité. Premier point qu'on va voir, c'est le zoom. Si vous êtes trop zoomé, vous allez manquer beaucoup, beaucoup de détails de jeu, et ça risque de vous proposer des problèmes pour la suite. Notamment quand vous jouez tank, healer ou distance, jouer avec un jeu trop zoomé, ça complexifie la lecture de jeu. Quand vous jouez un corps à corps, c'est un peu différent, parce que dans certaines situations, vous pouvez avoir envie de zoomer pour juste tout de suite pouvoir réagir beaucoup plus vite à ce qui arrive proche de vous et éviter les informations inutiles sur les côtés, parce que souvent en corps à corps, il se passe énormément de choses en mêlée, et à ce moment-là, jouer un peu plus zoomé, notamment en donjon, c'est une bonne idée. En raid, je déconseille absolument de jouer zoomé, quel que soit votre spé, mais par contre, en donjon, zoomer un peu, ça peut être pas mal pour vous aider à esquiver certaines mécaniques. Le jeu de base ne vous permet pas de dézoomer de très très loin. Moi, je dézoome plus loin que ce qu'autorise le jeu de base, entre grands guillemets, et pour ça, on utilise une commande console. Les commandes console, c'est des commandes qu'on fait dans le chat, qui vont permettre de modifier des paramètres qui ne sont pas visibles dans les options. La commande à utiliser, je vous l'affiche là.
vous la prenez, vous la CTRL-C, CTRL-V dans votre chat et vous appuyez sur Entrée. Une fois que c'est fait, vous verrez, vous pourrez dézoomer beaucoup plus loin que prévu et c'est assez pratique. Et d'ailleurs, j'ai une deuxième commande à vous proposer, c'est celle-ci. Cette commande permet d'avoir un zoom beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux et ça peut vous aider dans vos zooms, des zooms sans avoir des gros à-coups. Voilà. Ensuite, on va changer un deuxième paramètre qui, pour faire l'idée simple, va permettre de rendre les surfaces et les bords de surface beaucoup plus clean, beaucoup plus propres. Pour ça, on va dans la paramètre et on va activer le FFSR 1.0. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va aller dans la commande console, on va rentrer cette commande. Et normalement, si vous appuyez sur Entrée, vous devrez avoir un petit changement, un changement qui n'est pas non plus incroyable et qui ne va pas tout péter, mais un changement qui devrait quand même rendre le jeu plus net et plus clair. Ensuite, les paramètres importants à mettre à fond. On va d'abord avoir la densité de particules, pour vraiment avoir toutes les particules possibles, pour voir tous les effets les plus importants clairement. Ensuite, on va bien activer les textures projetées pour qu'on puisse projeter sur le sol les textures et les effets des sorts qui vous sont envoyés pour bien voir les zones des sorts, sinon vous les verrez moins bien. Et enfin, on met à fond la résolution des textures pour que tout le sol et toutes les textures qui vous sont envoyées soient les plus claires possibles, les plus nettes possibles. Ça, c'est vraiment les paramètres les plus importants pour que les sorts qu'on vous envoie dans la gueule soient les plus clairs possibles de très très loin. Et enfin, on peut parler du contraste. Personnellement, je le montre à 70%. Parce que ça permet en le montant plus haut d'assombrir les sombres et d'éclaircir les clairs et donc d'avoir du coup un meilleur contraste et de mieux voir les choses qui du coup se décalquent mieux du décor. Le sweet spot est entre 70 et 75, c'est à vous de voir ce qui vous va le mieux. Et on va enfin pouvoir passer à la partie plus personnalisable. Vraiment dans cette partie c'est des paramètres, voyez vous-même où est-ce qu'est votre sweet spot à vous, mais si vous prenez mes recommandations vous devriez avoir le meilleur taux de FPS possible. Si jamais vous faites l'inverse de ce que je dis, vous aurez moins de FPS mais plus de qualité de vue. C'est à vous de voir ce que vous voulez et à quel point vous voulez sacrifier de la qualité pour la performance. C'est une liste un peu longue, donc je vais me permettre de la lire. Premièrement, réduire l'échelle de résolution du jeu. En gros, vous allez dans vos paramètres, vous voyez résolution de l'échelle du jeu, vous descendez ça à entre 90 et 100%. Ensuite, supprimer la synchro verticale qui sert globalement à rien à moins que vous ayez vraiment des gros problèmes. Ensuite, on met le NVR Reflex Boost dans le mode de latence basse. On active l'anti-aliasing en avancé et dessous on choisit CMAA2 et Color x4, Depth x4. On enlève l'alpha test, on met le FOV à fond, on met les ondes au plus bas, les liquides au plus bas, la densité de particules à fond, mais on l'a déjà vu. On désactive le SSAO, on désactive les effets de profondeur et le settings qui vient juste après. Le mode de mise en évidence, je le mets en avancé parce que je fais beaucoup de minage, mais si vous voulez le gameplay avant tout, on le désactive. La densité de sorts, on la met juste à essentiel pour éviter d'avoir les sorts de tous vos potes et que ce soit absolument illisible. Les textures, on a déjà vu. Et ensuite, les trois trucs qui consomment le plus de FPS, la distance de vue, les détails de l'environnement et les affichages au sol. Et là, on met tout au plus bas. On désactive le triple buffering. On met le fil de texture à x4. Et là, plus vous mettez haut, plus c'est joli. Plus vous mettez bas, plus c'est moche. On désactive le ray tracing. On se met en fidélité FX-CA-CO. On désactive le VRS. Et on met aucune interaction physique. Et je vous conseille de mettre aucune cible ou aucune cible ou aucun intervalle de FPS, laissez le jeu gérer tout seul. Et déjà, vous devriez avoir une bonne idée de comment optimiser vos FPS. Mais il y a une autre chose que vous pouvez faire pour encore améliorer tout ça, c'est de regarder vos add-ons. Les add-ons, il y en a certaines qui sont assez lourdes. Et demander à votre jeu de charger tous les add-ons tout le temps, ça coûte assez cher en performance. Donc je vous conseille de faire le tour de vos add-ons, voir celles qui vous servent à quelque chose, celles qui vous servent à rien, et de désactiver ou désinstaller celles qui vous servent à rien. Et pour finir dans les paramètres, on va parler des déplacements. Alors, le grand débat du clicking. Qu'est-ce que le clicking? Ça veut dire cliquer ses sorts à la souris. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que je vous dis de le fuir absolument? Eh bien, je suis nuancé. Si vous n'avez pas d'objectif de performance très haute, on s'en fout. Vous jouez comme vous voulez, vous êtes habitué au clicking, cliquez vos sorts. Le problème, c'est que dès qu'on va commencer à essayer de monter et d'augmenter la performance et son gameplay, et on en parlera plus tard, globalement, le clicking, c'est sous-opti. Pourquoi le clicking n'est pas optimisé pour le top niveau et pour vraiment les performances les plus élevées possibles? Pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce que quand on va commencer à monter au niveau, on utilise pas mal la souris pour se déplacer. En fait, en gardant un des boutons de votre souris enfoncé selon vos réglages, et ensuite en utilisant l'autre bouton pour se déplacer ou les touches de déplacement, on peut être beaucoup plus réactif que de juste se déplacer avec les touches. Ensuite, deuxième raison, c'est qu'on va beaucoup utiliser de sorts qui sont dans le même GCD. Dans World of Warcraft, quand vous utilisez un sort, le plus souvent, il déclenche ce qu'on appelle le GCD, le Global Cooldown. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir lancer un autre sort, vous allez devoir attendre en général une seconde ou moins. Et certains de ces sorts sont hors du GCD. Par exemple, sur le guerrier, l'avatar n'est pas dans le GCD. Et donc très souvent, vous allez devoir lancer plusieurs sorts dans la même seconde.
Sur le clavier, ça peut être facile de faire rapidement. À la souris, clic clic clic, tout vous sort très vite. Un peu plus difficile, mais globalement, ça sera toujours plus optique avec le clavier. Troisième point, on l'a vu juste avant, beaucoup de vos sorts se lancent dans la même seconde, notamment des sorts de réaction. Alors quand c'est un burst et vous avez vos macro bursts, bah ça va, vous pouvez cliquer sur vos touches avec votre souris. Par contre, quand il faut rapidement lancer dans la même seconde qu'un GCD, un cri de commandement, une interrupte, un CD défensif, tout ça, bah, faut vraiment être très réactif avec votre souris et vous serez globalement plus lent à réagir au clicking qu'au clavier une fois que vous aurez maîtrisé le clavier. Pour toutes ces raisons, le clicking, c'est pas opti. Mais encore une fois, vous avez bien entendu, c'est des raisons assez high-end, assez haut niveau. Donc si vous comptez pas faire du très haut de clé, si vous voulez juste votre KSM par exemple, vous pouvez très bien gagner le KSM, donc le Keystone Mastery et 2000 de côte, avec du clicking. Là-dessus, c'est largement faisable. Par contre, après, plus tard, tout clean en plus 10 avec du stuff un peu léger ou tout clean en plus 12, le clicking me semble un peu plus compliqué. Mais du coup, je vais pas vous laisser tout seul et vous envoyer comme ça disant « joue au clavier et bonne chance », je vais vous donner 2-3 conseils pour pouvoir faire vos raccourcis plus simplement. Déjà, premièrement, comment est-ce qu'on se déplace dans Root de façon opti du coup? Eh bien, on utilise ZQSD ou un équivalent selon ce que vous avez comme bind sous votre main gauche. Et en fait, on lui fait des déplacements un peu plus précis avec notre déplacement à la main gauche sur le clavier. Mais la plupart de nos déplacements avancés, par exemple, strafe, activer notre strafing ou pas, va être utilisé à la souris. Vous allez voir, énormément de joueurs pro n'ont pas leur curseur de souris activé sur leur écran parce qu'en fait, leur souris est constamment appuyée pour constamment pouvoir regarder autour de soi, se déplacer, faire des mouvements rapides et être beaucoup plus réactif à la souris parce que la main gauche, elle est très occupée à faire de la rotation. Ce qu'on fait en général, enfin moi ce que je fais personnellement, c'est que je change les binds de mon Q et de mon D pour au lieu de mettre le bind tourné, de mettre le bind esquive. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de tourner avec vos touches ZQSD, votre personnage va se déplacer sur le côté, ce qui je trouve est beaucoup beaucoup mieux en termes de déplacement. Et de toute façon, sur WoW, on va beaucoup strafe. Je vais vous expliquer ce que c'est strafe, aussi appelé esquiver, c'est se déplacer par des pas de côté. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus rapide sur le côté comme ça, plutôt que, par exemple, quand on recule à la main. Et ça, on va parler rapidement de cette mauvaise habitude qu'il faudra enlever. Reculer dans WoW, c'est-à-dire purement utiliser la touche de recul pour reculer, c'est très souvent sous-opti. Vous allez beaucoup moins vite en reculant qu'en strafant. Sur le côté, en étant dans un bon angle, vous aurez toujours la possibilité de lancer des sorts derrière, mais vous aurez la même vitesse que si vous couriez vers l'avant. Et c'est beaucoup, beaucoup mieux. Bref, ça c'était un petit point sur le déplacement. Et en vrai, je pourrais vous faire une vidéo de 20 minutes sur comment bien bouger dans WoW, qu'on aurait des tonnes de choses à dire. Mais je vais m'arrêter là pour l'instant. On va voir sur les autres raccourcis, parce que ça c'est aussi très important. Comment est-ce que vous faites vos raccourcis au clavier? Donc, quand vous jouez à World of Warcraft, votre main, elle se trouve globalement à cet endroit-là de votre clavier. Et selon la taille de votre clavier et la taille de votre main, vous pouvez aller plus ou moins loin. Donc là, c'est un peu à vous de voir ce que vous voulez faire. Personnellement, j'aime beaucoup mettre toutes mes touches DPS de 1 à 5, de ici à ici. Comme ça, j'ai toujours un accès pour utiliser mes touches DPS et avoir des touches un peu moins importantes dès qu'on dépasse 5. Des CD défensifs, des CD raids, ce genre de choses. Par exemple, d'autres CD DPS, par exemple sur R et F, qui sont pour moi aussi des touches qui sont accessibles rapidement et dans la même lignée. Donc pour moi, c'est assez intéressant. Et ensuite, vous voyez que j'ai 10 quelques touches, il en manque quand même pas mal. Ensuite, on fait ce qu'on appelle des modulations, c'est-à-dire que par exemple, si vous voulez lancer un autre sort sur la touche 1, Alt 1, ça fait un autre sort, Ctrl 1 fait un autre sort, Shift 1 fait un autre sort. Voilà, vous avez à peu près l'idée, la mentalité que moi je mets dans mes raccourcis, mais il faut vraiment trouver ce qui vous va à vous. Et pour finir, on parlait d'addons avec les healers, et je pense qu'on va parler rapidement d'addons. Configurer vos addons, c'est super important. Comprendre et configurer vos addons, c'est un des trucs les plus importants pour avoir une interface et un environnement de jeu qui fonctionne bien. Si vous faites n'importe quoi avec votre addon, que vous avez des trucs affichés partout tout le temps, ça va pas le faire. Les Weak Aura, avoir un pack de Weak Aura plus vers le centre de l'écran, alors en PVP, pas nécessaire, mais pour les autres modes, peut être très important, pour pouvoir beaucoup mieux voir quels CD sont disponibles quand, et avoir une meilleure idée de quoi est disponible quand, et surtout, un meilleur suivi de vos buffs et des procs que vous aurez pour mieux utiliser vos sorts. Donc vraiment, pour bien configurer vos addons et bien configurer vos interfaces pour avoir une interface claire et lisible, essayez de vous inspirer de ce qui est fait chez les streamers et ensuite adapter à votre propre vue et à votre propre confort pour avoir le truc qui soit le plus clair possible. Sur ce, bah, on va en avoir fini avec cette première partie sur créer l'environnement de jeu. Donc je résume, avoir un bon mindset, jouer la classe ou l'aspect qui vous va le mieux, essayer d'avoir des paramètres qui sont les mieux possibles pour avoir le plus de FPS possible, comprendre vos addons, essayer de jouer le plus possible au clavier ou, si c'est pas votre objectif, de faire de la perf. Clicking, ça marche aussi. Sur ce, je vais vous laisser. Abonnez-vous pour la partie 2. On va vraiment parler à ce moment-là purement du gameplay. Et pour vous donner un exemple de comment est-ce que j'ai fait pour essayer de m'améliorer une classe que je ne connaissais pas du tout, je vous donnerai l'exemple de comment j'ai fait pour apprendre l'évocateur préservation alors que je ne l'ai jamais joué et que je jouais à un rôle que je n'ai jamais joué sérieusement, healer. Sur ce, à très vite. Peace!